C'est étonnant, mais ce sont les oiseaux qui m'ont conduit à être paysan ici, en montagne. Je me souviens, c'était hier, je donnais la main à mon grand-père, instituteur. Il m'avait appris à respecter la vie sous toutes ses formes. La guêpe qui se débattait derrière le carreau, le petit escargot qui traversait la route et que j'avais envie d'écrabouiller. Mais ce respect de la nature s'est transformé en passion quand j'ai découvert le monde des oiseaux. Juste ici, à ma porte, devant la ville où j'ai grandi en Alsace, des prairies extraordinaires, des ambiances magnifiques, sonores, des vanneaux, des courlis, des bécassines, des loriots. Mais ce milieu magnifique, petit à petit, je l'ai vu disparaître, ces prairies retournées, le maïs s'imposer. Je me suis dit que je devais m'engager, faire quelque chose pour la nature. Je suis devenu ingénieur agronome. Mais c'était il y a 40 ans, l'époque de la modernisation agricole. Et mes idées étaient si différentes que j'ai décidé de devenir paysan. Ma femme a quitté son travail, sa ville, et nous sommes arrivés là, dans cet endroit vierge, comme des pionniers. Nous avons construit notre maison et nous avons essayé de voir s'il était possible de faire vivre sa famille tout en étant protecteur de la nature. Je connaissais cet endroit en montagne, à 700 mètres d'altitude. Un cirque glaciaire qui avait servi pendant des générations à l'estive des jeunes bêtes du village. C'était un terrain communal, coincé juste sous la forêt domaniale, il était retourné à la nature. Des arbres feuillus, sorbiers, alisiers, frênes, érables, quelques chênes et même des ormes, et des pins sylvestres magnifiques. Des arbustes aussi, noisetiers, sureaux, houx, aubépines, pruneliers, 20 hectares. Je présente mon projet à la mairie, élever des chèvres, faire du fromage et le vendre moi-même. Des grincheux pensent qu'il vaudrait bien mieux replanter des épicéas, ce serait bien plus profitable pour la commune. Finalement, mon projet est accepté, je suis paysan. Bien sûr, je conserve ces arbres. Ils abritent les chèvres s'il fait mauvais ou trop chaud, et sous les arbres, l'herbe est exquise et pousse même en été. Les sous-bois ne craignent pas les chaleurs de l'été qui feraient tout griller sur ce versant plein sud. Au sommet de cette parcelle, les vents sont si forts que même les arbres poussent difficilement. La pelouse, des pensées sauvages et du fenouil odorant. J'avais 10 chèvres à l'époque et je ne savais pas encore quel fromage faire. Mon idée de départ, elle était simple. Vivre dans cet endroit magnifique avec mes chèvres, ne pas me soucier de la quantité de lait que chaque chèvre pourrait me donner, mais faire de ce lait un fromage exceptionnel, digne de cette flore formidable qui nourrissait mes animaux. J'ai invité le fromager du plus grand restaurant d'Alsace, l'Auberge de Lille. Et nous sommes montés ici, nous nous sommes assis dans l'herbe, il a vu mes chèvres croquer des bourgeons de pain. Je lui ai dit, voilà ce que mangent mes chèvres. Je peux vous apporter mes fromages chaque semaine, de quoi avez-vous besoin ? Il fut mon premier client, il l'est toujours et m'a ouvert tant de portes. Pour moi, être paysan, ce n'est pas élever des animaux pour qu'ils produisent le plus de lait possible ou qu'ils soient le plus gros possible pour ensuite les vendre à bas prix aux industries agroalimentaires. Pour moi, être paysan, c'est partager un endroit formidable avec ses animaux et ensuite en faire des produits que les gens autour de nous ont envie de manger. Et une fois que ces produits, on les a faits,
Et ben, de les accompagner jusqu'au bout pour les proposer et pour expliquer comment on les produit, comment on les a fait, d'où ils viennent. C'est ça, acheter local. C'est cet échange direct entre le producteur et le consommateur. Pas seulement l'acte d'achat, mais aussi comprendre notre vie. Si chaque chèvre produit moins de lait que si elle était enfermée et bourrée d'aliments, qu'importe. Mon but est d'occuper le plus de surface possible pour y laisser la nature s'épanouir. J'aurai le nombre de chèvres qu'il faut pour faire vivre ma famille et les hectares dont elles ont besoin pour se nourrir sans compromettre cet équilibre. Cet endroit où les chèvres broutent, nous, paysans, l'appelons une pâture. Les animaux sont sur une prairie. Ils broutent et prélèvent une partie des plantes. Mais la nature est complexe. C'est un équilibre entre de nombreuses espèces de plantes qui se concurrencent et s'entraident et qui ont des prédateurs, pucerons, chenilles, herbivores, sauvages ou non. Chacun participe à cet équilibre. Une pâture peut parfaitement rentrer dans ce processus si le pâturage est mesuré. Les herbivores prélèvent une partie, ne piétinent pas trop. En broutant, ils prélèvent des plantes, mais laissent des déjections qui vont nourrir d'innombrables petits animaux indispensables à la fertilité du sol. Ces petits animaux ingèrent les déjections, mais aussi les herbes sèches et recyclent l'ensemble avec les tout petits, les collemboles, les acariens et les bactéries et petits champignons. Pas de déchets dans une prairie vivante. Tout est recyclé et transformé en acides aminés, lipides et sucres. À la fin de l'hiver, nous sortons nos animaux dès que cela est possible, fin avril, début mai. Après cette première pâture, les animaux ne reviennent que 2 mois plus tard. Et fin juin, les prés tout autour sont fauchés et ces parcelles, très fleuries, joue un rôle très important pour la nourriture des insectes. Ce matin, mon maître m'a dit que 80% des insectes ont disparu en Europe. C'est énorme. Et ici, les sauterelles, les papillons, les grillons disparaissent aussi, papy ? Oui, Marjane, c'est vrai, mais pas partout. Dans cette prairie, il y a un papillon extraordinaire. On l'appelle l'azuré du serpolet. Et la femelle, elle vient et elle pond un œuf sur une des fleurs. Et après, elle va chercher une autre fourmilière et elle pond un œuf. Et cet œuf, quand il est clos, qu'est-ce qu'il donne ? Une chenille. Une chenille. Et la chenille, elle va manger la fleur du serpolet, mais seulement une fleur. Et quand elle est un petit peu plus grande, elle fait une crotte tout à fait particulière. Une crotte que les fourmis adorent. Et les fourmis, quand elles voient cette chenille, elles prennent la chenille et elles la rentrent dans leur fourmilière bien à l'abri. Et au printemps, qu'est-ce qui sort de la chrysalide ? Un papillon. Un papillon. Et le papillon sort, il se dépêche de sortir de la fourmilière et des azurés du serpolet, tu sais combien il y en a dans toute l'Alsace ? On en a compté moins de 20 stations. Une station, c'est un endroit où il y en a. Cet équilibre est extraordinaire et fragile. Chaque espèce de papillon est liée à une plante. Si la plante disparaît, la chenille aussi, et donc le papillon. L'œillet des chartreux, par exemple, ne peut être pollinisé que par 2 espèces différentes de papillons. Ici, un passage de broyeur pour faire propre et plus de fourmilières, plus d'azurés. Si on ne broie pas, si les bêtes ne restent pas trop longtemps, ces parcelles peuvent être des trésors.
3 passages par an avec les animaux, sur 6 mois, puisqu'ici, il y a 6 mois d'hiver. Que mangent les animaux pendant ces 6 mois? Des fourrages. Et ces fourrages sont récoltés ici par les paysans. Pour les paysans, il y a donc 2 sortes d'espaces, les pâtures et les prés de fauche. Pendant des siècles, les paysans ont vécu avec quelques vaches en autosubsistance. Avec la modernisation, on est passé dans la vallée de 800 familles à 40. Mais si autrefois les foins étaient coupés à la faux, aujourd'hui c'est au tracteur et des hectares par jour. Qu'est-ce qu'une prairie de fauche? Pour moi, une prairie, c'est un monde. Un monde incroyable de beauté et de complexité. Une collection, un cortège de plantes différentes si le sol est sec ou humide, plein sud ou versant nord. Mais ces cortèges ne sont jamais dus au hasard. Les graminées sont les moins exigeantes. Elles poussent, font une tige, peu de feuilles et leurs graines sont portées par le vent. Un animal broute cette tige, ce sont 4 tiges qui repoussent de la base. Mais elle est gourmande et elle a besoin des autres pour avoir assez de fertilisants. Les autres, les plantes à fleurs, et notamment les légumineuses. Elles s'associent avec des bactéries cachées dans leurs racines, capturent le gaz carbonique et l'azote de l'air et le transportent vers leurs racines où les bactéries se nourrissent du carbone et libèrent dans le sol l'azote. Les légumineuses ont besoin de s'exposer au soleil pour produire de l'azote. Elles grimpent, se hissent le plus haut possible sur les autres plantes. Ce sont des plantes à fleurs, comme beaucoup d'autres présentes dans la prairie. Elles puisent chacune des éléments différents dans le sol et le restituent à leurs morts. Toutes ces plantes à fleurs se multiplient grâce à leurs fleurs, fleurs souvent mâles et femelles, mais qui ont besoin de varier leur génétique, donc d'envoyer loin leur pollen pour féconder les fleurs femelles de leur espèce le plus loin possible. Comment? Par le vent, mais surtout par les insectes qui, attirés par les couleurs, les odeurs, les délices cachés, vont de fleur en fleur. Mais si l'abeille va poser le pollen d'une centaurée des montagnes sur un lierre terrestre, pas trop de chances de marcher. Et donc les fleurs s'ouvrent et distillent leurs appâts les unes après les autres. D'abord les jaunes, puis les rouges, et enfin les bleus. De mai à juillet, la floraison apporte aux insectes la nourriture dont ils ont besoin, et ils assurent ainsi la pollinisation. Mais il y a aussi des insectes parasites, il n'y a pas que les pollinisateurs. Des pucerons qui piquent et sucent la sève, des chenilles qui rognent, rongent les plantes. Mais sans les chenilles, pas de papillons butineurs. Tout est question d'équilibre, et l'équilibre est apporté par la diversité. Chaque plante a ses propres parasites, alors la diversité protège de l'explosion. Et la prairie abrite aussi tout un monde animal, chargé de réguler ses populations d'insectes, grenouilles, orvets et les oiseaux. Mais il y a une chose encore plus forte. Les vers de terre plongent parfois à plus de 4-5 mètres sous la terre pour chercher l'argile des profondeurs et remontent à la surface, ingèrent de la matière organique et rejettent leurs tortillons. Ces tortillons sont l'élément principal de ce que l'on appelle le complexe argilo-humique, base de la fertilité d'un sol. Ce complexe est capable de stocker l'eau, d'abriter les bactéries et les petits organismes qui vont produire les fertilisants et de les restituer aux plantes. Ces prairies ont un symbole, un étendard, un petit oiseau insectivore qui passe l'hiver en Afrique et qui revient début mai en Europe chercher de belles prairies où il pourra trouver le gîte et le couvert. Le tarier des prés. Début mai, il va pondre ses œufs à même le sol au milieu de la prairie. Il va se nourrir, ainsi que sa nichée, des chenilles, papillons et sauterelles, et
repartira avec ses jeunes passer l'hiver en Afrique. La pigrièche écorcheur, aussi migratrice, aime les insectes plus gros, les bousiers, les grandes sauterelles, et niche dans les buissons épineux. Comment faire pour concilier la sauvegarde de cette merveille et remplir son grenier des fourrages nécessaires pour nourrir ses animaux pendant 6 mois d'hiver? La date de fauche est déterminante. Bien sûr, une plante à fleurs fauchée avant que la fleur ne s'ouvre ne pourra produire de graines et vivra 3, 4, 5 ans, puis disparaîtra. Et avec la disparition des fleurs, vient celle des insectes, puis celle des oiseaux. Commencer les foins à la Saint-Jean, comme disaient les anciens, le 21 juin, et les terminer vers le 20 juillet, voilà un bon partage des richesses de la nature. Puis, après les foins, la prairie repousse, les insectes adultes ou leurs larves qui s'étaient jetés au sol au passage de la faucheuse terminent leur croissance et, fin août, début septembre, nous faisons une deuxième coupe, les regains, plus riches en feuilles et très appétants, mélangés au foin en hiver. Lorsque les chèvres sont au pâturage, elles mangent des grandes plantes, des ombellifères, même elles ne rechignent pas dans une branche de noisetier, au contraire. Et donc tous ces fourrages, qu'on appelle grossiers, vont dans la panse. Et la chèvre est absolument incapable de digérer ça toute seule. Elle le fait grâce à des millions de bactéries lactiques qui sont dans sa panse et qui dégradent tout ça en éléments assimilables. Il y a une partie de ces bactéries qu'on retrouve dans le lait avec certains des arômes des plantes qu'elle mange. Dans ce petit lait, il y a les bactéries lactiques qui sont les nôtres depuis plusieurs années. J'en verse chaque jour un peu dans le lait de la traite du matin et du soir, et ce sont elles avec un peu de présure qui font cailler le lait et contribuent au goût de notre fromage. Mais une fauche revient à prendre toute la production végétale de la prairie. Comment va fonctionner le sol ? Les anciens avaient bien remarqué que l'on ne pouvait pas se contenter de prendre et qu'il fallait redonner. Tout l'hiver, les animaux mangent ce foin, laissent des tiges, des refus, qui se retrouvent au sol. Et je rajoute aussi de la paille pour que les animaux soient bien. Tout cela se mélange au sol, dans l'étable, avec les crottes et les urines. Deux fois par hiver, nous sortons ce fumier qui, brusquement oxygéné, est exposé à la pluie, chauffe, fume et démarre le compostage, c'est-à-dire le développement des champignons et des bactéries qui préparent l'explosion de toute la petite faune qui se nourrit de la cellulose. Après quelques mois, il est épandu sur les prés de fauche en automne ou très tôt au printemps. Et cet épandage nourrit le sol. C'est un ferment qui dynamise toute l'activité vitale indispensable à la fertilité d'un sol. Nous avons pris, nous rendons. Il y a 50 ans, on a voulu moderniser l'agriculture. Les petits paysans sont devenus producteurs de lait, collectés par l'industrie agroalimentaire. Cette industrie qui mélangeait les laits de chaque ferme a exigé une propreté draconienne dans les étables. On a bétonné les bâtiments et lavé à grande eau les urines et les bouses qui se sont retrouvées être des déchets. Et ces déchets, on les a stockés dans des grandes fosses, comme nos fosses septiques. Et quand la fosse est pleine, on la vide. Le lisier, c'est donc uniquement des déjections, sans matière organique. Ensuite, les techniciens ont expliqué qu'une herbe jeune, toute en feuilles, était bien plus riche qu'une plante montée en tige et même en graines, et que pour produire beaucoup de lait, il fallait de l'herbe jeune et du soja brésilien. Les paysans ont suivi, produit beaucoup, et vu le prix de leur lait s'effondrer.
Donc moi, je me suis installé en 1987. Avant, j'étais vacher en Meurthe-et-Moselle. Et quand je me suis installé, donc je sortais en fin de compte plus ou moins de l'école, c'était les systèmes intensifs, c'était fauche précoce, tout en ensilage, engrais, désherbage. Cette modernisation a détruit combien d'emplois ici dans la vallée? Et la nature, comment supporte-t-elle cette évolution? Mal, très mal. Fauché en mai, revient en 3 ou 4 ans à supprimer les plantes à fleurs qui n'ont pas eu le temps de faire les graines qui assurent leur survie. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Quelle prairie est encore debout? Où sont les fleurs? Où sont les papillons qui n'ont plus rien à butiner? Où sont les oiseaux qui n'ont plus rien à manger? Et cette disparition visible est-elle le seul danger de cette orientation de l'agriculture? Outre la fauche précoce, le deuxième facteur principal d'extinction de la vie, c'est le lisier. Il a remplacé ce qui était la règle autrefois ici, le compost. Le lisier, lui, est bourré de nitrates, certes, mais visqueux, stocké dans d'immenses cuves, il a des micro-organismes à l'intérieur, bien sûr, mais anaérobie, c'est-à-dire qui se développent sans oxygène. Si on l'épand, tous ces micro-organismes meurent, une partie des nitrates va être absorbée par les racines et les feuilles des plantes, mais tout le reste sera lessivé à la première pluie et ira polluer les sources, les rivières. Mais surtout, ce lisier va tuer toute la faune du sol. Si un crapaud, un orvet peut se sortir d'une couche de lisier, les grillons, fourmis, collemboles, champignons, bactéries de la couche superficielle vont être asphyxiés par cette couche visqueuse, acide et anaérobie. Qu'a-t-elle d'intensif cette agriculture? Il y a beaucoup moins d'agriculteurs qui, pour survivre eux-mêmes, menacent la nature autour d'eux et donc leur outil de travail. La machine tourne à grande vitesse et menace de quitter la route. Pour le moment, les lanceurs d'alerte parlent surtout de la disparition des insectes, de la biodiversité. Mais comment se rendre compte que finalement, c'est l'ensemble des sols, même en montagne, qui sont en péril, qui sont en train d'agoniser. Et ces sols, leur vie, c'est tous les petits organismes qui sont à l'intérieur, qui sont des milliers d'espèces qu'on connaît à peine et qui ont chaque qu'une de ces espèces une fonction tout à fait importante dans le sol. Cette disparition est fondamentale pour la vie du sol, c'est-à-dire sa capacité à stocker l'eau. Et aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques, cette capacité va être vraiment importante. Mais aussi cette capacité qu'ils ont gratuitement à recycler tout ce qui est en surface pour en faire des éléments fertilisants pour les plantes. C'est incroyable le fonctionnement de la nature et par ignorance ou parce qu'on nous a mis sur de mauvais rails, on est en train de mettre ça en péril. Cette parcelle, je viens de la récupérer. Je l'ai fauchée le 2 juillet et aujourd'hui nous sommes le 3 août. C'est incroyable, pratiquement rien n'a poussé. Il a fait chaud, c'est sûr. Et en plus, les sangliers sont arrivés, ces fameux dégâts de sangliers. Quand on voit la terre que les sangliers ont dégagée, c'est incroyable, c'est vraiment du sable acide, sec. Quelques vers de terre, quelques larves de hanneton remontent à la surface pour y trouver un peu d'humidité. Et là, les sangliers arrivent. Retourne parfois 10, 20, 100 mètres carrés et c'est un véritable labour. Cette parcelle, par contre, j'y mets du compost depuis des années et c'est incroyable la différence. Il n'y a pas eu plus de pluie, elle est peut-être un petit peu plus haute en altitude, mais la repousse est fournie, c'est le jour et la nuit, avec la diversité de plantes, du fenouil sauvage, des renouées bistortes, du plantain. Au bord de chaque parcelle que je fauche, eh ben je m'efforce de laisser un petit îlot de nature.
c'est-à-dire un petit peu de broussailles, des ronces, des aubépines, des framboisiers sauvages. C'est là que va nicher la pigrièche écorcheur, la fauvette babillarde. Je suis né aux Ambetches et j'ai toujours passé tout mon temps à la ferme. Et c'est vrai que quand j'étais gamin et tout, pour moi c'était une évidence de revenir ici, travailler avec les animaux et tout ça. Maintenant c'est vrai qu'après, le temps passant, quand on arrive, quand on est au lycée, étudiant et tout, j'avais des hésitations. Donc j'ai fait un maximum d'études qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres choses. Et vraiment ça, je suis très content de l'avoir fait. Et puis c'est vrai qu'à l'issue de ça, à un moment donné, il fallait quand même bien que je me décide. Alors j'ai dit à mes parents que je viendrais me tester pendant un an sur la ferme, voir vraiment la réalité du travail au jour le jour, ce que ça allait donner. Et puis bon, ma foi, après, c'était parti, ça m'a plu. Et voilà, et l'aventure continue. Depuis toute petite, je me suis toujours intéressée aux animaux et j'ai toujours voulu être agricultrice, m'installer et reprendre la ferme de mes parents. J'ai fait des études aussi pour avoir un bagage supplémentaire, mais je savais que je voudrais revenir à la ferme et travailler sur la ferme. J'ai installé depuis 2010 et puis c'est moi qui m'occupe de la... des suivis des troupeaux, chèvres, moutons, chevaux. C'est assez fascinant comme dans cette période j'ai pu voir le changement d'attitude des consommateurs qui sont vraiment maintenant, cherchent à être beaucoup plus engagés dans leur mode d'achat. Par ce biais, ils se questionnent énormément. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois consommer bio, je dois consommer local, fermier, etc. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse binaire à tout ça. Ça dépend vraiment des modes de production et tout. Donc c'est pas simple de leur donner une réponse. Moi, je trouve que si, on peut quand même répondre. Acheter bio vous garantit que l'agriculteur n'a pas utilisé de produits chimiques. C'est déjà important ici en montagne. Acheter local vous garantit qu'il y aura beaucoup moins de transport. Quand on se rend compte aujourd'hui, le chemin que fait du lait par exemple, le lait est collecté ici dans les fermes, il est transporté jusqu'à la coopérative qui est à près de 80 km d'ici. Et là, à la coopérative, ce qui doit être mis en berlingot par exemple, ou en bouteille, est amené parfois à 200 à 300 km pour être mis en bouteille, pasteurisé. Et ensuite, ce lait est expédié vers les centres de gros, où ensuite il est dispatché et il revient vers le supermarché du coin. C'est quand même ahurissant. Donc acheter local, ça vous garantit beaucoup moins de camions. Acheter fermier, ça vous garantit d'acheter à une ferme, une seule. Maintenant, comment travaille cette ferme? Eh bien, il faut... vous approchez de la ferme, discutez avec le paysan et vous verrez comment travaille cette ferme. Et vous pourrez peut-être la faire évoluer pas à pas dans la bonne direction pour la collectivité. Donc l'idéal, c'est d'acheter bio, local et fermier. La zone AOC est très vaste. Elle va de toute la Lorraine, de l'Alsace, une partie du territoire de Belfort. Donc avec des zones de plaine et de montagne. Et le lait est collecté par deux grands groupes, donc qui est Sodial et Lactalis. Et vu la zone et la quantité de lait qu'il y a, le prix n'est pas élevé du tout du lait, quoi. On est autour des 30 centimes du litre de lait pour faire du lait à Münster. Alors, pour survivre, les agriculteurs se sont lancés dans cette fuite en avant. On démarre la première coupe en mai, avant les fleurs, puis en juillet, puis fin septembre,
et les dernières repousses seront broutées par les animaux. Entre chaque coupe, un épandage de lisier. Et les prairies, des surfaces sans vie, couvertes de pissenlits, rumex et graminées. Si on produit du lait ici et qu'on le vend à la laiterie, on va être payé 30 centimes. 40 centimes si on adopte les pratiques bio. Mais pour produire ce lait, il faut des terrains, des animaux, des grands bâtiments, du matériel et beaucoup de travail. Traire tous les jours, matin et soir, toute l'année, les parcs, les récoltes, les fourrages sur les pentes. Et pour tout ça, on est payé 30 ou 40 centimes. Si on fait une fromagerie, on arrive à transformer du lait, on peut vendre du blanc aux affineurs, on arrive à 75 centimes. Si on vend ce produit, ce Munster, eh bien il faut un véhicule frigo et surtout des clients. Et là, on va arriver à 1,50€, c'est-à-dire 4 fois plus que si on vendait son lait à la laiterie. Donc on se rend compte que on peut vivre beaucoup mieux en produisant peut-être moins de lait par vache, mais en transformant son produit et en le vendant. Il y a un potentiel de, au lieu que ce soit les industriels qui le fassent, c'est nous à reprendre cette main au niveau de l'agriculture, de transformer nos produits et puis de les vendre en direct. C'était il y a 30 ans et les choses avaient déjà bien changé dans la vallée. Il y avait des différences plus marquées, il y avait pas mal de grandes exploitations, grandes entre guillemets, qui avaient 30, 40 vaches et qui vendaient lait à la laiterie. Et à côté de ça, des petites exploitations qui savaient bien qu'elles ne pouvaient pas survivre avec ce schéma-là. Et donc ces petites exploitations avaient déjà à l'époque choisi de transformer et de vendre. Mais il n'y avait aucune opportunité pour vendre sur place, pourtant il y avait beaucoup d'habitants. Et donc on a décidé de monter collectivement, on était 7 à l'époque, de monter un point de vente de produits fermiers. On nous traitait déjà de fous parce qu'on transformait nos produits et qu'on prétendait les vendre. Et maintenant, on voulait créer nous-mêmes notre propre magasin. On a commencé à démonter un vieux hangar qui était à côté de l'ancienne gare. Et tous les jours, il y avait plusieurs tracteurs, 5-6 personnes sur les toits, etc. Les gens qui passaient sur la nationale disaient « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une manif d'agriculteurs ». Et comme ça, le bouche à oreille a fonctionné. Quand on a ouvert notre magasin, le Cellier des Montagnes, ça a tout de suite été un succès. Les consommateurs ont joué le jeu dès le départ. Mais bien sûr, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Le groupe d'agriculteurs membres est vraiment très soudé, va quand même une philosophie assez commune avec globalement des petites fermes très axées sur la protection de la nature et du coup c'est vrai qu'on a cette démarche commune et je pense que les consommateurs qui viennent au Cellier le ressentent. Ils posent plein de questions bien entendu, ils nous confrontent hein, des fois s'ils ne sont pas d'accord à certaines façons de faire ou autres et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, je dirais que j'encourage tout le monde à bien sûr à venir au Cellier des Montagnes, mais d'une manière générale à consommer en direct parce que c'est là qu'on ne peut pas mentir quoi, face aux clients. Ce qui est en train de se passer en fait, c'est que pour la majorité des fermes membres, c'est le débouché numéro 1 et parfois c'est même le débouché exclusif. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant que directement, la demande des consommateurs a une répercussion très importante sur nos façons de produire et sur même des fois ce qu'on va faire tout court. Quant au Cellier, les consommateurs ont commencé à demander de la viande. On a assez rapidement pensé à la viande de porc parce que nous avions à la fromagerie déjà pas mal de chèvres. Quand on fait du fromage, il y a presque 80% de petit lait et le petit lait devenait un problème pour nous. Qu'en faire ? J'avais entendu parler dans les petites fermes en Italie, les gens qui faisaient du fromage et qui avaient un ou deux cochons, je me suis dit le petit lait ça va être formidable pour les cochons. Maintenant, élever des cochons sur 1 mètre carré de béton, non. On a essayé tout de suite de faire des grands parcs à l'extérieur, bien sûr de leur aménager un bâtiment dans lequel ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Ils sont sur de l'air paillé et ils ont pratiquement 200 mètres carrés par animal avec des petites mares où ils peuvent aller se rafraîchir, il faut les voir sortir quand il y a de la neige,
c'est assez étonnant de voir le plaisir qu'ils peuvent avoir à courir dans la neige. Et on n'allait pas se lancer dans la transformation de la viande, on avait déjà fort à faire pour diversifier nos produits en fromage, nos produits laitiers. Donc on a fait appel aux gens dont c'était le métier, et bien sûr on paye la prestation à ces professionnels, et ensuite on récupère l'ensemble de nos porcs transformés, que nous vendons au cellier. Dès qu'on parle d'élevage de porcs, beaucoup de gens voient 3000 porcs, des grands bâtiments, du lisier. Mais c'est étonnant de voir ici des parcs couverts de sureaux, d'églantines, de châtaigniers, avec plein d'oiseaux qui s'en nourrissent, et les porcs au-dessous, à l'ombre. Le compost des porcs, cédé à prix coûtant à des viticulteurs bio qui remplacent ainsi leurs engrais chimiques azotés. On a récupéré des terrains qui étaient trop éloignés pour pouvoir être pâturés par les chèvres et sur lesquels on ne pouvait pas faire les foins parce qu'ils n'étaient pas mécanisables. Et donc on a petit à petit pris un troupeau de brebis. Et donc c'est des brebis avec composées de races assez à croissance lente, des races assez rares comme les angadines, les tonnets marteaux. Donc ça nous permet d'avoir des agneaux toute l'année parce qu'ils ont une croissance lente et des naissances qui sont désaisonnées, c'est-à-dire qu'il y a des naissances un petit peu toute l'année. Donc ça nous permet de répondre à la clientèle du cellier des montagnes. On aime que jusqu'au bout, jusqu'à la fin de vie, ce soit fait dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais appel à des transporteurs pour emmener nos animaux. Et je les emmène moi-même le lundi matin, une fois par semaine, on emmène les moutons et les cochons à l'abattoir. C'est un petit abattoir local qui se situe à 40 minutes et donc ils sont chargés juste avant de partir. Ça nous permet d'avoir un petit troupeau de 90 mères et d'avoir un atelier qui soit et cohérent pour la ferme pour pouvoir entretenir les terrains éloignés et en même temps rentable. Ces parcelles sont devenues un véritable refuge pour beaucoup d'espèces. Grenouilles rousses, tritons, orchidées et carex, tariers des prés, pipites et fauvettes qui nichent au sol. Sans les moutons, cette diversité aurait disparu. Et ces prés seraient devenus soit un simple pré de fauche, soit de la forêt. Depuis quelques années, on essaye d'organiser à chaque printemps une ferme ouverte. Et c'est quelque chose qu'on fait de manière, on va dire, assez technique. C'est-à-dire que c'est pas grillade buvette, c'est vraiment des ateliers où on présente chaque aspect de la ferme et où on essaie vraiment de rentrer en détail dans tous les questionnements que les gens qui visitent peuvent avoir, et on y passe du temps. En fait, au final, les gens sont surpris d'arriver à 14h et puis de repartir à 18-19h et d'avoir fait que poser des questions et tout ça. Et donc c'est passionnant. C'est vrai que ça fait vraiment partie du plaisir de notre métier, que de sentir que les gens sont préoccupés de savoir ce qu'on fait et que nous, on peut leur apporter des réponses qui vont dans le bon sens. Aujourd'hui, il faut arriver à prendre tous les échelons du métier en compte et être bon partout. Donc il faut savoir produire, ça c'est certain, il faut avoir du lait de qualité, il faut savoir transformer. C'est pas parce qu'on fait du fromage bio ou fermier qu'on peut vendre n'importe quoi aux clients. Donc il faut maîtriser les process de fabrication et tout ça dans les règles d'hygiène les plus strictes. Et puis après, il faut savoir aussi vendre, hein, puisque tout ça, si on a une cave remplie, il faut savoir la vider. Et donc c'est complexe, et à la fois c'est ce qui rend aussi tout cela passionnant, quoi. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'adore traire les chèvres,
mais je détesterais le faire tous les matins, tous les soirs, toutes les journées de l'année. Donc c'est cet ensemble qui fait que vraiment au jour le jour, on est content de se lever et d'aller travailler, quoi. Alors aujourd'hui, en fait, la chèvrerie des Ambetches, on est à 10 emplois. Alors on a presque une centaine d'hectares et 10 emplois, ça veut dire un emploi par 10 hectares. C'est assez fascinant parce que finalement, si on compare aujourd'hui à un céréalier en plaine, souvent avec 100 hectares, ils ont du mal à vivre en étant un couple, quoi. Donc, je veux dire, c'est des ratios qu'il faut essayer de mesurer et puis comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est une agriculture qui crée de l'emploi, qui respecte la nature. Tout ça, on est capable de le faire. Et donc, il faut arriver un petit peu à bousculer les codes et c'est vrai que l'agriculture a aussi à se remettre en question et savoir travailler à plusieurs, ça demande aussi des compétences et je pense que tout ça c'est l'avenir, quoi. Alors aujourd'hui moi j'ai deux filles, Salomé a aussi un petit garçon, elle en attend d'un autre bébé. Quand on travaille sur la ferme avec les enfants, je veux dire, c'est tellement de réjouissance. C'est vrai que nous on a passé notre enfance à être là, à jouer avec les chèvres, à leur donner des noms et tout ça. Et maintenant de voir que il y a la suite qui arrive, ou en tout cas qui prend plaisir à partager ces moments avec nous, c'est beaucoup de réjouissance. Bien entendu, il faut produire, mais on n'a pas cette obsession de la productivité que peuvent avoir la personne qui va vendre juste son lait à la laiterie et qui, lui, son seul objectif, c'est d'arriver à produire un maximum de lait. En ça, je ne les condamne pas, c'est juste que c'est le système dans lequel ils ont été poussés, les fait se focaliser sur cet aspect de productivité. Je me souviens qu'à un moment donné, il y avait vraiment de vives critiques du monde agricole sur le fait qu'on n'est pas des jardiniers du paysage. Alors, moi, ça m'inspire autre chose. Moi, je pense que oui, au niveau du paysage, on a une grande responsabilité. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on entretient des espaces très vastes. Et donc, du coup, c'est à nous de faire en sorte qu'on garde des montagnes avec des paysages ouverts, avec des beaux chemins qui bordent les prés, etc. Ça, c'est un aspect des choses. Et puis après, si on se creuse encore un peu plus loin, qu'on met sa loupe, on va regarder tout l'aspect de biodiversité qui est fondamental. On en parle, mais peut-être qu'on pense souvent aux ours blancs et puis aux dauphins qui disparaissent. Mais en fait, le monde aujourd'hui des insectes et toute la microfaune est absolument fondamentale, quoi. Là, le monde agricole a une responsabilité qui est énorme. On doit pouvoir se préoccuper de ces aspects-là et je pense qu'on n'a pas le droit de s'en affranchir. On a trop de responsabilités sur ce que devient la biodiversité aujourd'hui en France et partout ailleurs dans le monde. Les agriculteurs sont aux premières loges, mais ce sont les impératifs économiques immédiats qui les ont conduits dans cette voie. Avant de faire bouger l'agriculture, il y a un autre aspect de la gestion des espaces qu'il est possible de changer, les bords de chemin. Ici, l'habitat est dispersé. Ça veut dire qu'il y a des kilomètres de chemin, des chemins communaux, avec bien sûr des talus. Et ces talus pourraient être un véritable refuge pour la biodiversité. Et pourtant, quand la plupart des paysans commencent à faucher fin mai, tout de suite dans les premiers jours de juin, dès qu'on peut, la commune laisse les débroussailleuses sortir et c'est à la fois le bal des faucheuses et des débroussailleuses. Tout est broyé sur les bords de chemin, parfois sur 2, 4, 6 mètres de large, il ne reste plus rien. Les chrysalides, les orvets, les hérissons qui pouvaient s'être réfugiés là, même des nids d'oiseaux, des nids de bruant jaune qui se sont établis sur les talus, tout est broyé, détruit. Pourquoi ? Pour faire propre. Il n'y a aucune nécessité économique à faire ça, c'est simplement pour nettoyer. Ce combat contre la nature, c'est quelque chose qui est difficile à faire évoluer. Il faut comprendre que finalement, de laisser des fleurs, de laisser la nature s'exprimer sur les talus,
c'est vraiment une nécessité. On pourrait parfaitement broyer, pourquoi pas, sur 50 cm de large de chaque côté du chemin et laisser le reste pendant toute la belle saison, pourquoi pas le faucher, mais à l'automne quand la plupart de la vie s'est réfugiée sous la terre. Le problème principal, c'est que ces familles qui survivent ici en sont réduites à mettre en péril le milieu naturel et donc leur outil de travail. Mais pas que leur outil de travail, il y a beaucoup d'habitants dans la vallée et donc c'est le cadre de vie de tous ces habitants. Cette mission d'intérêt collectif relève un petit peu de l'État, de l'Europe, et effectivement la PAC a des lignes tout à fait particulières qu'on appelle les mesures agri-environnementales et qui sont là pour rétribuer cette mission d'intérêt collectif. Et cette mission-là, c'est un cahier des charges qui demande aux agriculteurs de ne pas faucher avant le 1er juillet, de ne pas mettre de lisier, donc tout le cadre est en place. Le problème, c'est que cette mission importante est très faiblement rétribuée, de l'ordre de 250 euros par hectare et par an, alors que les systèmes du premier pilier de la PAC, qui compensent les exportations de céréales, conduisent à donner près de 500 euros par hectare pour faire du maïs en plaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu déséquilibré on peut espérer que cette nouvelle PAC se verdisse et que les activités agricoles qui sauvegardent la nature soient mieux rétribuées. Aujourd'hui, le pari est de changer complètement cet état de choses et il est tout à fait possible, par une alliance entre les paysans et les consommateurs, de faire vraiment bouger ce territoire. De le faire bouger comment ? Les habitants retrouvent un lien entre les gens qui produisent leur nourriture et achètent cette nourriture ici localement, les paysans vont trouver une rentabilité économique. Mais ce qui est indispensable, c'est que ces paysans prennent conscience qu'ils doivent travailler avec la nature et sauvegarder ce milieu, ce cadre de vie qui est indispensable pour tous les habitants de la vallée. On avait une image, l'image du consommateur, de ce que le consommateur y veut au niveau de l'exploitation. Donc c'était d'être en bio et de respecter les animaux et puis tout ça. Donc c'était de valoriser le lait jusqu'au bout. C'était de vendre un peu cette image, au lieu de que ce soit les affineurs qui vendent l'image d'ici, mais qu'il y a pas de, c'est pas du lait qui vient d'ici. Donc moi, c'était vraiment, on a le lait d'ici, c'était de le transformer. Donc je cherchais toujours un associé, et j'en ai trouvé un qui transforme le fromage. Et puis du coup, j'avais mon neveu qui était salarié à mi-temps, qui s'est aussi associé. Donc maintenant, on a trois surexploitations. Et donc on retransforme et on fait tout en vente directe. On n'a pas de grossiste, donc on a 60 hectares. Et moi, ce qu'il me faut, c'est une autonomie fourragère pratiquement à 100% et de produire donc quand même pas mal de lait, mais sans achat extérieur. Donc mon système, il est basé sur de fauches précoces avec un séchage en grange et puis j'ai un récupérateur solaire de chaleur. Moi, je fais pas d'achat, très peu. On achète 12 tonnes de céréales par an pour 20 vaches laitières et la suite, et puis là, quelques porcs. Donc moi, je suis pas du tout pour aller sur la route et puis faire des transports et avoir... J'ai pas fait le bilan carbone de mon exploitation, mais je pense qu'il doit être bon, quoi. Le débat existe. Être autonome, c'est-à-dire faucher très tôt, 4 fois par an les mêmes parcelles, acheter très peu à l'extérieur, ou comme nous, faucher tard, privilégier la biodiversité dans les prairies et acheter de la luzerne qui ne pousse qu'en plaine. Il n'y a pas qu'une seule vérité, mais une réflexion qui doit animer sans cesse le paysan aujourd'hui, confronté à une pression publique de plus en plus forte, motivée souvent par les abus de l'agriculture intensive. Je suis arrivé au Sursenor il y a 10 ans pour reprendre cette ferme. Qui a la particularité d'être très attentive, on va dire, qui a toujours été attentive à son environnement. C'est une ferme aussi qui a la particularité d'accueillir du public en situation de handicap à l'année.
Ici au Sursenor, on est entre 800 et 1000 mètres d'altitude sur des prairies qui sont totalement naturelles. On a fait le choix aujourd'hui de gérer quasiment toutes nos parcelles avec du compost, principalement les cultures de prés de fauche, donc les cultures qui nous permettront d'avoir du foin l'hiver. Après, dans les parcs, on va dire que nos seuls apports, c'est l'apport des animaux eux-mêmes, c'est ce qu'ils vont manger et ce qu'il va y avoir comme bouse derrière eux. On a fait le choix d'élever des Vosgiennes parce que c'était la race déjà du coin, typique. Pour nous, c'était la vache qui était la plus adaptée et il nous fallait un animal qui puisse valoriser tout ce qui était fourrage grossier. Elle se satisfait de peu. C'est la vache de montagne, hein, le pied sûr, un vélage facile, une bête qui va pouvoir produire avec pas grand-chose. J'entends beaucoup de gens qui parlent de la production de viande, de la pollution que ça génère, des litres d'eau que ça consomme, de la souffrance que ça apporte aux animaux. Bah, nous, on prend un peu le contre-pied, c'est qu'ils ont raison sur certains arguments. La production de viande, ça peut être honteux à faire. Et moi, j'ai aucune honte à faire ce que je fais, c'est-à-dire produire. En respectant l'environnement, en respectant mes animaux, en respectant le travail que chacun peut y apporter dans cette production. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs font de la vente directe, mais bien peu ont changé leurs pratiques. Pendant si longtemps, les bons agriculteurs étaient ceux qui avaient le rendement maximum. L'agriculture bio n'a pas intégré la biodiversité dans son cahier des charges. On peut faire 4 coupes de foin par an et épandre du lisier partout et n'importe quand en étant bio. Et si nous imaginions un nouveau monde? Un monde où les paysans ne s'acharnent pas à produire plus de lait pour Lactalis. Une vallée entière fauchée fin juin, début juillet, comme avant. Beaucoup moins de vaches, mais plus de revenus, grâce à la transformation et la vente locale. Du lait, des fromages, des œufs, des volailles, de la viande, des légumes. Tout cela produit avec la nature, pour les habitants de ce territoire. Comment douter que tous ces aliments auront d'autres vertus pour les consommateurs que les produits issus d'un élevage industriel situé à des kilomètres de là? La nature et ses beautés ont un impact fort sur la santé de corps et d'esprit des hommes, et elle pourrait attirer de nombreux citadins dans les gîtes de la vallée. Osons l'agroécologie qui place l'homme dans la nature.